Aman Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va parler d'imposition avec Fairtax qui accuse donc les géants américains, les Silicon Six, c'est-à-dire les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, plus Netflix, d'avoir pas assez payé d'impôts, environ 100 milliards de dollars. Alors, ce qui est dit, c'est qu'ils auraient réglé 149 milliards de dollars d'impôts de moins dans le monde qu'attendu, selon les taux d'imposition nominaux dans les pays où ils seraient installés, et sur la période, les 10 dernières années. Il existerait donc un écart entre les impôts payés dans les rapports annuels des entreprises et les espèces effectivement versées. Au total, c'est environ 100 milliards, plus précisément 96,3 milliards de dollars qui se seraient envolés entre les impôts provisionnés et les impôts versés en espèces. La fondation a expliqué s'être appuyée sur le formulaire 10K, 10K si vous préférez, un rapport annuel résumant les performances financières des entreprises américaines exigées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le Guardian, qui a relayé l'étude, rapporte que les entreprises ont réglé 219 milliards sur la dernière décennie, et c'est seulement 3,6% de leurs revenus totaux, qui s'élèvent à environ 6 billions de dollars. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges.